C'est le cœur lourd, empreint de tristesse et de colère, que nous prenons notre plume pour rédiger cette macabre déclaration. Car une fois de plus, une fois de trop, la jeunesse de notre parti, l'engagement pour la citoyenneté et le développement, SID, vient d'être frappée par la mort. Non content de nous infliger des sévices et des blessures corporelles graves à chacune de nos manifestations publiques, non content d'avoir organisé un simulacre d'élection, non content d'avoir fracturé la société congolaise par un tribalisme primaire, non content de lamentablement échouer dans la gestion du pays, non content d'enlever à la jeunesse congolaise tout espoir dans un devenir et un avenir meilleur, le régime de l'Union sacrée, comme les FDLR et les M23 au nord Kivu, comme les ADF en Ituri et au sud Kivu, comme les Mbobondo dans le Maïdombe et comme les Kuluna à Kinshasa, continue à ôter la vie à la jeunesse résistante de notre parti. Pourquoi nous? Encore et toujours nous. En effet, à la suite de la disparition des camarades Defa Opalokou et Davin Kalala sous les coups de la milice de l'UDPS, la police, à la solde de l'Union sacrée, a lâchement assassiné le camarade Jires Manzanza d'une balle dans le dos dans la nuit du 10 septembre 2024 au siège de notre parti, alors que celui-ci était sans défense. Comment expliquer que dans un pays dit de droit, une milice entretenue ainsi que la police puisse impunément tuer des paisibles citoyens au seul motif que ces derniers accompagnent la noble lutte portée par le président élu et commandant du peuple Martin Fayulu? Comment expliquer qu'un homme en uniforme, censé garantir la sécurité de tous, puisse, dans un élan tribal et barbare, se transformer en un assassin autoprogrammé? Comment expliquer que les organisations de droits de l'homme, pire que la MONUSCO, restent indifférentes et aphones face à la barbarie que la jeunesse de l'SID vit au quotidien? Que des réflexions, que des questionnements qui ne trouvent de réponse ou de sens que dans un État où règne la tyrannie, l'impunité, le vol des deniers publics, le clientélisme, le tribalisme, la caquistocratie, l'incompétence, bref, un État où s'installe la dictature comme ici en République démocratique du Congo. Alors que, à corps et à cri, la jeunesse congolaise dans son ensemble, et celle de l'SID en particulier, porte à bras le corps la noble ambition de reconstruire la cohésion nationale, les ennemis de la paix se livrent, eux, à des sales besognes dans le but de la saboter. Pire encore, depuis près de 10 jours, la justice malade de M. Félix Tshisekedi, dont le ministre est plus préoccupé par le populisme et sa prochaine publication sur les réseaux sociaux, brille par des manœuvres dilatoires, alors que nous nous trouvons dans un cas de flagrance avéré. Cette situation nous prive de notre droit de faire notre deuil dans la quiétude de la justice rendue à notre camarade Jires Manzanza et renforce ainsi notre peine et notre chagrin. Nous disons au monde, à l'Union sacrée, à sa police et à sa milice, que notre volonté de reconstruire la cohésion nationale ne doit pas être interprétée comme un signe de faiblesse ou de renoncement dans notre engagement de construire un Congo libre, digne, fort et prospère. À l'image de Jires Manzanza, nous ne nous départirons de notre état de résistant qu'après notre mort et sommes prêts à continuer à assumer en tant que tel. Notre lutte étant noble, ni les sévices, ni les brimades, ni les blessures, ni la mort ne sauraient nous décourager. À toi, cher Jires, en attendant des hommages dignes et à la hauteur de ton engagement pour la nation, nous te disons bon voyage. Va en paix, car tu as combattu le bon combat et ta mémoire restera honorée à jamais. Nous prenons l'engagement solennel de poursuivre ton combat parce que c'est notre devoir. Merci pour tout, tes camarades, que dis-je, tes frères des luttes.
fait à Kinshasa le 18 septembre 2024. Nous vous remercions. L'unité du peuple congolais. Avec SID. Pour un Congo fort et prospère. Avec SID. C'est possible. Congo et Kolobo. Moko. Congo et Kolobo. Moko. Congo et Kolobo. Moko. 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 Namawana Mutema. Tuzole lande konabiso Jires Manzanza. Oyo wapi akufi na masasi ya la police. Babomi Davin Kalala. Baboma Defa Opaluku. Lelo bayoko boma Jires. Na siège a parti na biso. Alors kasa ki le côté azalaki sans défense. Tolobi boyi ke bakanisi bakolembisa biso. Tokolemba te. Biso toza ba résistant. Bakanisa te ke ndenge tozo bunda po na cohésion nationale. Neto lembi résistance té tozali toujours ba résistant ndeti jirais a to kufa na ki résistant na eti na kati ya libulu a rokene nango biso pe lokola torotika bitumbo yo té ata bazolanda biso po tozo bunda bitumba moko elongona président élu commandant du peuple Martin Fayulu ezali engagement na biso ezali devoir oyo sacré oyo nzamba tinda biso na mukili toyebi sinda ma de kwa union sacré toyebi si na monde entier que tu kobanga eloko moko te. Tu es ici de Kojires, à Kenena Boboto. Attaque aux justices, aux ali malades, justice en deko Félix Tshisekedi. Et aux salas niamou niamou. Pour les kangamoutoua abomiye, ou assassiné, kasi tu es ici Jires, kende malamou, biso toto continue bitumba. Totoni bino botondi. Oui, mbote ndeko journaliste. Merci Ndeko journaliste, je crois que Omoni toute la jeunesse est là. Ba résistant nyo sotozali, jeunesse nyo sotoyaki. Toyaki pona ko sala déclaration, c'est-à-dire koloba oyo biso tozalaki na yango ya koloba. Pamba te bitumba oyo to uti na ngo musika biso tozali pe bato ya mboté ya ko bundela Congo, mutu ya mbwa bandaki yango zali tata Lumumba, to tata Kimbangu, mama Kimpanvita, Lumumba, Laurent Désiré Kabila. Nde bituma toza kobunda. Je crois bien UDPS tangwa zaki na opposition ya lokuta, ya l'opposition, ya opposition ya obasalaki ya metwa ke je m'y mette. Et zaraki ke le peuple d'abord pe respect ya mibe kwa mboka. Mais le to constater na résume monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, balingi bato nyonso ba betaka maboko. Balingi bato nyonso ba soutenir même les mal. Balingi bato nyonso ba soutenir même buzoba. Non. Pays où il y a un pays, il y a démocratie, et il y a la liberté, il y a expression. Et il y a la que oui, non. En 2006, l'UDPS avait dit non au référendum. Et le Palo avait dit oui au référendum. Et la population congolaise avait suivi Kizenga, toqué le lune dans l'élection, où le UDPS a été la tour, où il y a Boyaki, en 2006. Le lobiso nini biso jeunesse congolaise, précisément jeunesse ya SID to sali na régime ya ba usurpateur oyo. Mais biso ata kwa bomi, ata kwa sali nyonso, tozali conscient que M. Tshilombo azali président ya UDPS, azali président ya biso ba congolote. Parce que tozo kwa reconnaître yete, mais l'élection bimisa ye président tozo kwa reconnaître yango te. Mais le lot tata écolo, le président lui, Martin Fayulu, a lobi, bisonio se devant un danger pour libérer la République démocratique du Congo, qui est entre les mains du Rwanda. Toko salanine, il faut la cohésion nationale, qui n'est pas une faiblesse. Non! La cohésion nationale, même dans la kounioso, même dans la famille, ba vandaka, ba solulaka, s'il y a un problème. Aujourd'hui, nous avons un problème, oui ou non? Oui! Bunagana est entre les mains du Rwanda. Ruchuru masisi zana maboko ba Rwanda, il faut le dire. Si c'est que nous sommes bêtes, mutu, akende Luanda, akende Boyo, rien ne change. Et le Congo continue, y'a kende, na maboko ba Rwanda. To bengi Congolais nyonso, boya na cohésion nationale. La ligne après ça le CC, oh le Kabo Fayulu la sali. To zo bundele loko biso mibale, to bundela to mbongo. Mais to moni moyibe ayi a zusa ki wana, akimi nango. De office, to sala nini, to kotika bitumba.
toke ko landa muyibi to zisak tango to uta kuna toye bitumbezongi na ndaku na nabiso c'est ce que Fayulu veut faire na katamboka oyo. Merci beaucoup mbote mopanzi sango. Merci Mwana Mboka Mopanzi Sango Kabuya, en tant que responsable provincial de la résistance à Tchangou. Vraiment, pour na biso et pe si biso passe na moutema. Et sali biso passe, et puis côté Mosu, je suis pe sa biso déjà kanda. C'est comme on a les deux guerriers, Oya Tchangou, Baouti Koti Kabiso Mikolo Maleki. Moi, je suis un peu de temps, c'est résistant à Tchangou. Je suis un peu de temps, je suis un peu de Jires Manzanza. Je suis un peu de temps, je suis un peu de Tchangou. Jires a koufiliwa, il y a Nyongo ya Makembate. A koufiliwa, a kenaki kotumbo la te, mais quand c'est tomoni, soi-disant état de droit. Soi-disant, Bandeko Oyo, Baloba Kanabiso, Bayaki Kokenge, la peuple, mais qui n'a le lot, Tokomone, Angoba Koko, qui s'agit de ça, la terre. Et l'Oba Bomi Jires, Namasas, Namandouk, Liboso y a siège, y a parti. Tolobi Ango, et Ali assassinant. Toalaki Kokondana ki Ango, Naba énergie, manso. Et puis, Kolandisa, Mamo Kozinabiso, Makamomaï, Koleka, Awa, Oa, Outiko Manyola. A bien te bakasa ki soki ba bomi ba guerrier résistant ba kanisi te ba kolembe ce combat le contraire ba pesi susu makasi na bayi ba résistant nyonso ya koye ba kobunde tumba o ali liboso ya koye ba kokende tout droit kino na bokonzi tata mokonzi kolo le président Eli Martin Fayulu alobi na biso cohésion nationale mais tomoni bande kwa union salité ya ndeko Antoine Félix Tshilolo. Oyo ba mesana kokamba mboka na moyibi ba mesana kokamba mboka na kadiosha ba li ko continuer impunité et puis le kuta kadiosha na kati ya mboka ya Congo. Martin Fayulu bengisi cohésion nationale mais bande ko ba li ko yamba yango na ko assassiner ba militants to pe ba li ba résistant ya biso parti SID to bien te résistant nyonso. O ali na Mwamba, ali na Funa, ali na Lukunga, et puis ali na Tchangou, bitumba deje bandi. Bitumba ya Banzoko, bitumba ya Bilombe, yango nde bandi. Malgré cohésion nationale, malgré unité nationale, mais résistance, ils allaient toujours prêts na combat. Pourquoi? Parce que ya lolenge kana kokene ko arraché, bo konzina biso basila ki koyiba yango na mikolo masili koleka. Dans le poteau, tu as un simulacre électoral. Mais ce Tshilombo a été nommé. Bah, toi, Union Salté, Balobi était. Tu as une cohésion nationale.